Yo, what's up? Aujourd'hui, je m'en viens me pratiquer à souder parce que, dans le fond, c'est la seule chose qui me retient d'avancer sur mon 246. Puis... Plutôt chouette, la caisse! Tu me lèves ton hood pour voir? Non, c'est ouf par dehors, celle-là. Ah, en fait, j'avais pas pensé que c'est vrai par dehors. Je voulais te dire, genre, waouh, je vois un TD-04, un injecteur de noces par cylindre. Mais là, finalement, ça a pas marché. Fait que... Ah, je vais aller fermer le haut de la fond avant d'oublier qu'il est dans l'hiver. J'avoue qu'il est pas équipé, man. Puis en plus, il sonne genre style turbo. Hein. Je comprends pas c'est quoi cette son là, man. Ok, attention, on va avancer un peu. Ouais, un petit régime de même, ça sonne pas. Ça sonne plus comme si y'a quoi qui rattle, genre. Quand ça donne un gros coup de gaz, ça fait vraiment comme. C'est quand même drôle, ce char-là. Dans le fond, ce qui arrive, c'est qu'il y a genre tout ça là qui dépasse. Okay, j'avais le goût d'arracher. Je savais pas trop comment faire ça en dessous de char. Après, j'ai arraché la ligne d'exhaust au complet. Et après ça, il va rester à voir si l'autre partie. Il y a de quoi faire avec ça. Au pire, il va faire comme toutes les épées ils font. Moi, juste couper la flange. Puis m'en mettre un bout de drette. Puis la prochaine personne qui va vouloir enlever à la ligne, il va sacrer. Mais je m'en calisse. Je voulais être sûr qu'il n'y avait pas la petite poêle, man, qui remonte, genre. Moi, je me dis que le flow d'exhaust, ça pousse vers en arrière, là, mais. Tu sais, les catalyseurs de Sentra SR, là, ça a l'air que quand ça se défait, ça va vers le moteur, fait que j'avais peur que ça fasse la même affaire, c'est que. Fait que dans le fond, ce que j'ai fait, là, il y avait genre un genre de morceau soudé dessus, là. J'ai genre fait une petite opération chirurgicale, là. Ça doit faire une demi-heure certain que j'étais sur ce petit morceau-là. Ah, puis là, j'ai réussi à l'enlever, puis je vais pouvoir remettre un flexible, genre. Genre pas comme ça. Ça fait direct dessus. Puis je vais pouvoir souder ça direct là. Puis souder l'autre bout sur le char. Puis pour en arrière, j'ai coupé ici. Il y avait ce petit morceau là. C'est du scrap. Dans la fois, je l'ai remplacé par un morceau. Petit morceau comme ça là, qui va fitter direct dessus. Qu'il va falloir que je chute tout le tour là. Ça, c'est la première soudure que j'ai faite. Yeah boy! Elle est pas belle! Elle est pas belle, mais je l'ai battu un peu au marteau puis elle tient, fait que c'est ça l'important. Bon, ok, fait que je vais pratiquer à souder toutes les passes qui sont là. On va voir ce que ça donne. Ouais, ça c'est la première en haut. Après ça, j'ai fait celle qui est là. Ça, j'ai fait celle qui est ici, puis là j'ai fait celle qui est ici, là, mais genre je faisais genre une espèce de mouvement comme ça. Puis pour finir, à la fin, j'ai fait une espèce de mouvement comme ça à la place. Genre ici, il n'y a pas tant beau, mais quand tu check par en arrière, là, ça a l'air d'être genre. Ça se trouve à l'être 6. Oh shit, on a besoin de filmer en même place. Ça se trouve à l'être ça ici, là. Genre, tu sais, tu vois que la... ça a chauffé jusqu'en arrière, fait que tu sais. Probablement que c'est pas pire, mais visuellement c'est laid, fait que. On va essayer d'en faire une passe ici en bas, là. Ça va l'air pas pire. Ça va l'air pas pire. C'est dans le milieu, mais. C'est dur à gager, tu sais. Parce que je vois encore, tu sais, comme le carré de la tôle, tu comprends, là, genre. Le bord. Ouais, le bord de la tôle, là, fait que.
Je sais pas si c'est parce que là, tantôt là, mon fil ici était plus haut, là, j'ai descendu la vitesse de mon fil un peu. Ok, ouais. Parce que là, je crois que ça faisait des trop grosses crottes pis tout. Fait que là, j'ai descendu, mais je sais pas si il faudrait que je le descende plus ou que je le monte plus. Monte-le un peu, là, parce qu'on voit que. De toute façon, c'est peut-être chaud. Ouais, je sais, je touche pas. C'est qu'on voit que ta ceinture est bonne, mais pas assez loin, genre, il en manque un peu. Fait peut-être que ça fasse plus large. Plus large, ouais. Ouais, c'est ça. Le reste, il est bon. Fait l'épaisseur est bonne. Est-ce que tu vois que ça a soudé, ça, là, je check, là. Ouais. Côté, tu vois que c'est bien, genre. Ah, c'est check, là, ici. Ah, non, on le voit bien raide. Là. Ça, tu vas pas, là. Ça a l'air d'avoir soudé pas vrai. Ouais, non, ouais. Oh, c'est plus désagréable que d'aller buffer en dessous d'un char. Là, je vais aller buffer mon flexible. Puis après ça, il va falloir tout réinstaller le shit. Moi, j'ai. J'ai une lampe pour m'éclairer, puis c'est pas pour me réchauffer, là, pour bien. C'est vraiment important avant de commencer à grimper, faut que tu prennes une phase de marde, genre. Là, t'es prêt. Bon, là, ce qui arrive, c'est que ça, c'est la même grosseur. Fait que là, il ferait comme un genre de fitting. J'ai ça ici. J'ai l'autre bord qui est trop tight. Là, je pensais peut-être juste faire une petite fente pour pouvoir. En fait, je pensais le couper peut-être ici, puis là, faire une fente dedans, puis là, pouvoir le grossir pour pouvoir le mettre autour, puis après ça, le ressouder, tu sais, juste pouvoir l'écarter un peu, puis le ressouder comme la craque. Sauf que là, j'ai plus de fil dans ma soudeuse, qui est à terre fermée, la cacaillerie à côté, ben, ils ont pas le fil que j'ai de besoin. Fait que là, mon chum il m'a dit vas-y à la solution redneck. Voici ce qu'on va faire. Fait que dans le fond j'ai mis un U-boat ici. Puis ici une canette avec une canette avec une canette. Trois canettes une par-dessus l'autre. J'avais déjà fait ça dans une autre vidéo. Ça avait marché quand même pas pire. Puis là, ben, direct là, ça pourrait me démerder le cul en attendant de trouver d'autres choses. Fait que, ouais, on va essayer ça pour voir! Laisse-le idle 2 minutes là, avant de donner un coup de gaz. Là. Je vais juste checker. Hey, big! Viens ça! Ça pousse! Ça pousse! Ça pousse, man! Oh, 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 ça commence à être chaud, check, ça commence à sortir de la boucane. Right, ça poussait pas de boucane, il y a 2 secondes. Flasé au bout. Dans 10 heures, tu te gaz! Ben, ça, j'entends même pas une fuite, rien, check ça, gros! Ça a tout poussé à terre, man! Oh, ben parfait! C'est excellent, c'est ça? C'est drôle comme du monde, on y va. On est prêt à décrire ça. Ouais. C'est que ça. Ah, je pensais. Le tercel crachait de l'huile, ça a juste l'air d'être de l'eau. Bon, ben c'est pas vraiment ce que j'avais prévu. Là. J'avais prévu de souder aujourd'hui, me pratiquer à souder puis souder mon exhaust, mais finalement j'ai manqué le fil, puis là, ben ça tenait pas, puis tout. Moi j'ai quand même réparé l'exhaust façon redneck. Ça tient, man, c'est important, ça va. C'est sûr qu'avec les routes du Québec, ça n'est. On va voir combien de temps ça va tenir, mais en tout cas, en attendant, ça va être tout pour mon vidéo d'aujourd'hui. Si t'aimais ça, tu peux liker, t'abonner, peu importe. On se voit dans la prochaine vidéo. Peace!